Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon des maires. Alors, pourquoi Hénoé a lancé un fonds de dotation pour les territoires? Ça a été justement un des points forts de la journée. J'ai le plaisir d'en parler avec Anthony Haddad. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes directeur général d'Hénoé et à ma gauche Jean-François Perrin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la communauté de communes du Haut Limousin En Marche. Alors déjà, il faut un peu caractériser le Haut Limousin En Marche. Alors, territoire rural de 40 communes, 23 000 habitants. Commune centre de près de 4 000 habitants. Bon, alors c'est vrai que ça a été une des nouveautés de ce salon, le fonds de dotation donc pour les territoires. Effectivement, on a profité de ce salon donc pour annoncer et officialiser donc Hénoé Territoire. Hénoé Territoire, c'est un fonds de dotation qu'on a créé en 2001, qu'on a donc initié par l'intermédiaire des projets qu'on fait avec la communauté de communes du Haut Limousin En Marche. Et donc ce fonds de dotation a pour vocation à augmenter les retombées financières sur le territoire par le biais d'un abondement aux mégawatts installés et qui permet de renforcer l'acceptation locale et de diversifier les revenus pour le territoire. D'accord, donc c'est une somme d'argent liée aux mégawatts installés, c'est bien ça? Tout à fait, c'est tout à fait ça. D'accord. Comment vous l'avez perçu, cet outil? Eh bien, en dehors de la somme financière qui n'est pas négligeable, bien sûr, on est heureux d'instituer un partenariat avec une entreprise pour nous sérieuse et qui est partenaire de notre territoire depuis un moment, d'aller au-delà des simples retombées fiscales et de créer un partenariat avec un entrepreneur qui veut participer au développement de notre territoire. Puisque, effectivement, dans ce cas-là, vous aviez un projet, donc, si vous pouvez peut-être nous donner quelques chiffres clés. Alors aujourd'hui, on est sur 200 mégawatts de projets de potentialité. Donc une enveloppe globale d'1 million d'euros qui sera abondée au sein de ce fonds de dotation dédié à la communauté de communes. Et donc ça nous permet de nous ancrer de façon durable sur le territoire par le biais de ces projets agrivoltaïques, mais aussi par le biais de nouveaux projets qu'on va décider collégialement au sein d'un comité de décision. D'accord, c'est ça la gouvernance, en fait, c'est comme ça que sont prises les décisions? Tout à fait, on a un comité de décision qui réunit donc les membres de la communauté de communes et des membres Hénoé, et on sélectionnera des projets vertueux qui ont une cohérence sur les aspects environnementaux, biodiversité et dans le sens du développement durable. À un moment donné où on le sait, les collectivités ont besoin quand même de ressources, c'est pas neutre. Ah ben c'est pas neutre, c'est très intéressant. Je vous dis, c'est à la fois intéressant financièrement et ça fait partie de notre politique de territoire. Notre projet de territoire a inscrit les ENR et le bio et l'élevage, notamment des moutons. Donc tout ça, Hénoé est partenaire sur ces trois aspects, c'est parfait. Est-ce que vous avez déjà des projets bien précis à proposer? Eh bien, j'ai quelques idées en tête, mais comme ça n'a pas été acté, je les garde pour l'instant. Mais bien évidemment, on sait très bien que la décision sera collégiale et on n'a aucune exigence. Oui, Anthony. Et toute proposition sera bonne à prendre. Et donc, je pense quand on pourra concrétiser et mettre en place le comité de pilotage de ce fonds, toutes les personnes qui ont envie de dynamiser le territoire seront les bienvenues pour pouvoir proposer des projets cohérents et vertueux. Quelque part, c'est un partage de la valeur. Tout à fait, ça vient contribuer effectivement à renforcer le partage de la valeur avec les outils qui sont classiquement comme des retombées fiscales. On voulait vraiment redonner et redistribuer de la valeur par rapport au projet qu'on fait sur l'implantation de ce territoire. Tout dernière question. Oui, je dis, on peut espérer qu'il y ait des projets qui soient portés aussi par des associations ou des particuliers et pas seulement des collectivités s'ils s'inscrivent dans les valeurs de notre territoire. Donc ça veut dire que s'ils nous écoutent et si effectivement ils sont sur votre territoire et que ça s'inscrit dans les valeurs de votre territoire, il faut y aller. Tout à fait. Il faut candidater. Toute dernière question, Anthony, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, donc, c'est d'avoir les premiers permis de construire issus de ce cluster de projets. Et après, on pourra donc mettre en place de manière concrète le fonds de dotation et donc lancer les premières campagnes de projets, j'espère, pour 2025-2026. Parfait. Bon, Anthony Haddad, merci beaucoup. Jean-François Perrin, merci et félicitations. Merci à tous. Et puis surtout, merci à vous.